Good morgen, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui le Louis Nishmat, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batmina. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Sota, Perek Zain Mishnachet, Parashat Amaner Keitzad, Motsae Yom Tov, Arishon Shel Chag, Bashmini, Bemotsae Shvi'it, Osimlo Bima Shel Etzva Azara, Vehu Yoshev Alea, Shenemar Miketz Sheva Shanim, Bemoed Shnat Hashemita. Et Chazan HaKnesset notait la Sefer Torah venotna les Rosh HaKnesset, les Rosh HaKnesset notna la Segan, la Segan notna les Kohen Gadol, les Kohen Gadol notna la Melech, la Melech omed ou mekabel ve kore Yoshev. Agrippa sa Melech amad ve kibel ve kara omed, ve shimchu hu chachamim, ou sheigia le lotuchal la tetanecha ishnochri, zalgu enav dmaot, amrolo al titiare Agrippas, achinu ata, achinu ata, achinu ata. וקורא מתחילת אלה הדברים עד השמע, ושמע, ואיים שמוע, עשר תעשר, כי תחלה לעשר, ופרשת המלך, וברכות וקללות, עד שגומר כל הפרשה. ברכות, ברכות שהכהן גדול מברך אותן, המלך מברך אותן, אלא שנותן של רגלים תחת מחילת העוון. On est dans la dernière mitzvah que la Torah a prescrit de faire une déclaration publique et de la dire nécessairement en hébreu, en la Shana Kodesh. Et cette mitzvah, c'est la mitzvah du Melech, Parashat HaMelech, la mitzvah de Akhel. D'accord? Soit, comment ça se présente? Alors, on va commencer déjà avec la première phrase de la Mishnah. Parashat HaMelech Keitzad, comment se présente la mitzvah? Comment faut-il la réaliser? La parasha de Parashat HaMelech, la mitzvah de, que le Melech doit lire la parasha en hébreu, en la Shana Kodesh. Alors, Motsae Yom Tov Arishon Shel Chag, à la sortie du premier Yom Tov de Chag. Quand on écrit Chag dans la Mishnah, vous le savez déjà très bien, c'est Sukkot. Donc, lorsqu'on arrive à Sukkot, à la fin du premier Yom Tov, on a fini le premier jour de Sukkot, la nuit tombe, Yom Tov sort, et quoi? Bashmini, Bemotsae Shvit, il faut faire ça à la huitième année, à la sortie de l'année de la Shemitah. Vous savez que le cycle agricole marche en 7 ans. On a pendant 6 ans, on cultive et on récolte les fruits, et il faut donner les tourments aux maasrot. La 7e année, on a laissé les terres se reposer, on n'a pas travaillé, et donc on laisse reposer. Ça, c'est la 7e année. Après, lorsqu'on démarre le nouveau cycle, la première année du deuxième cycle, c'est en fait la 8e année du précédent. C'est ça ce que la Mishnah dit, Bashmini, à la 8e. Bemosai Shvit, à la sortie de la Shvit, on vient de finir la Shemitah, depuis Rosh Hashanah on a fini la Shemitah, on est rentré dans la 8e année, donc la première année du deuxième cycle, et à la fin du premier Yom Tov de Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? Osinlo Bima Shel Etzba Azara, on va construire une bima, c'est une estrade, on va construire une estrade en bois, qu'on va mettre dans la Azara. C'est quoi la Azara? C'est la Ezrat Nashim, on n'est pas dans l'enceinte même du Beit HaMikdash où il y a le Mizbeach, on est dans la salle annexe qu'on appelle la Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, c'est pas parce que là-bas se trouvaient les femmes. C'est parce que jusqu'à là-bas, les femmes avaient le droit d'entrer. Même les hommes se trouvaient là-bas. D'accord? Il y avait là plusieurs léchachot, s'il vous plaît, il y a longtemps, quand on étudiait la Sechet Midot. Et là-bas, donc, voilà, ça c'est l'Ezrat Nashim. En plein milieu de l'Ezrat Nashim, on met là-bas une bima shel etz. Vehu yoshev alea, et là-bas, le roi s'assoit. Chez Nehemar, comme nous dit le Passouk, ouvrez si vous voulez la paracha de Vayakhel. Non, pas du tout, qu'est-ce que je dis? On est dans la Nitsavim. Vayelech, dans Vayelech, ouais, plutôt. Dans la paracha de Vayelech, là-bas c'est écrit explicitement, il y a toute une paracha qui démarre qui me dit Miketz Shevashanim, Bemoet Shnata Shmita, Bevo Kol Israël Yirotet Bene Hashem. Et là-bas, Akel, Amelech, Akel et Ta'am. Nashim Vetaf, et là-bas le roi va lire la Torah devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il va lire exactement? On va le voir dans la suite de la Mishnah, c'est pas exactement tout le livre de Devarim, mais une partie très conséquente du livre de Devarim, comme on va voir après. Et voilà, ça c'est la mitzvah d'abord de Akel. Ok? Pour réunir les gens, quand ce Shabbat se termine, on sonnait des trompettes à l'intérieur du Yerushalayim, Chasosot, comme il y a écrit dans la Torah, lorsqu'on veut rassembler tout le peuple. On sonne les trompettes, donc on sonnait des trompettes en kesef, en argent, et là-bas on réunissait tout le monde, tout le peuple d'Israël venait, on s'organisait, d'accord, je ne sais pas combien de temps,
deux heures, mais là, après la sortie de Shabbat, peut-être, de Yom Tov. Et là-bas, on faisait cette bima, et le Kohen s'asseyait, allait se préparer à lire la Torah devant tout le Ham Israël qui était monté à Yerushalayim. Ça veut dire quoi? Tous les hommes avaient l'obligation de monter, premièrement. À part ça, même celui qui voulait venir avec ses femmes et ses enfants, ils pouvaient aussi, c'était même une mitzvah de faire ça. Il y avait des millions de juifs qui venaient à Yerushalayim. La Gemara raconte dans Psachim, il y avait peut-être 10-12 millions qui réussissent à rentrer dans... Quand on parle de Yerushalayim, on parle de Yerushalayim, la vieille ville, ouais. D'accord? Il y avait... Kamouvan, Omdim Tsoufim, Omishta Khavim Revachim, comme la Mishnah nous le dit, on avait gavé de la place, Loamar, Makom, Loamar Damur, et Birushalayim, Sarliya Makom. Personne ne disait à Yerushalayim que j'avais pas cette place pour dormir, c'était magique. Les gens venaient, et tout le monde réussissait à rentrer, il n'y avait aucun problème, on passait la fête comme ça tous ensemble, c'était grandiose, merveilleux. La, entre parenthèses, la Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Atzvi, la terre du Tzvi. Tzvi, ça veut dire soit la beauté, d'accord? Atzvi, Vea. Je ne sais plus comment c'est dit, Tzvi, ça peut être soit la beauté, mais c'est soit aussi, ça veut dire le cerf, d'accord? Avec les rennes, les bois, le cerf, il a quelque chose de très particulier, c'est que lorsqu'on, comme ça s'écrit dans le Midrashim, lorsqu'on tue le cerf et qu'on va récupérer sa peau, elle va rétrécir, de manière à ce qu'on va avoir une peau tellement petite qu'on va se demander comment est-ce qu'on réussissait à mettre, avoir un gros cerf comme ça qui réussissait à rentrer dans une petite peau. La peau du cerf, elle est élastique en fait. Plus le cerf, il peut grandir, il n'y a pas de problème. Dès qu'il n'y a plus d'intérêt à garder, comme ça, elle redevient petite. Comme ça, c'était Yerushalayim, et tout Eretz Israël, en plus, s'appelait RSSB. Plus il y a des juifs qui vont venir dedans, il ne va jamais manquer de place. Il y aura toujours de la place pour tout le monde. Et comme si qu'elle va s'élargir, elle va réussir à contenir tout le monde. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Maintenant, on revient sur la misa du Hakel. Misa du Hakel, donc, on a dit... C'est la misère où le Kohen Gadol, il va devoir lire la Torah. Il va devoir lire la Torah, bien évidemment, en Lashon HaKodesh. Et mieux que ça, c'est faire les brachot à la fin de la Torah aussi en Lashon HaKodesh nécessairement. D'accord? Pour le moment, c'est clair. Il va y avoir maintenant deux, trois parties dans notre Mishnah. Je vous fais le plan très rapidement de ce qu'il y a, comme ça on va se retrouver pour ne pas lire et traduire sans comprendre où les choses vont. Le principe, il est très simple. On va d'abord, le but de notre Mishnah, c'est de nous expliquer comment... on procède pour lire la Torah. Pour lire la Torah, il va falloir sortir un Sefer Torah. Il y a de nouveau un rituel, comment sortir le Sefer Torah, qui va le donner à quelqu'un. Vous vous rappelez, comme il y avait une hiérarchie dans la Mishnah précédente, de 4 personnes, là on va voir une 5e personne, ça va être le roi qui va être au bout de la série. On va porter le Sefer Torah au roi. Le roi va la lire devant tout le monde. On va préciser dans la Mishnah quelle séquence va-t-il devoir lire, comment est-ce qu'il va lire exactement le Sefer Torah, et après, lorsqu'il a fini, comment il va... dire les brachot sur le Sefer Torah de nouveau. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite interruption avec une anecdote du roi Agrippas, qui était le dernier roi du Beit Sheni, du deuxième Beit Hamikdash, lorsque le Beit Hamikdash a été détruit sous sa tutelle, et d'ailleurs la cause, elle va se retrouver dans notre Mishnah, que ça a été le détonateur. Chachamim ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On va le découvrir, tout ça, d'accord? Ça, c'est pour l'idée générale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, maintenant tout lire la Mishnah, comme ça on va déjà mieux comprendre. Après, on va mettre un petit peu le focus sur l'histoire d'Agrippa, sur les antéchènes. Chazan HaKnesset, maintenant, le Chazan HaKnesset, comme on avait dit, celui qui était responsable de l'organisation des bancs, des chaises, des mapotes et tout ça, du Harabait, de la synagogue, du Harabait. Alors, lui, il va noter le Sefer Torah, il va prendre un Sefer Torah, Venotna les Rosh HaKnesset, il va le donner au Rosh HaKnesset. Rosh HaKnesset, c'est celui qui était le Gabaï, qui s'occupait, lui, cette fois-ci, de dire qui monte à la Torah, comment trancher les choses, d'accord? Plus le côté spirituel que le côté technique. Ensuite, Rosh HaKnesset, Notna la Sgan, celui qui est le Rosh HaKnesset, il va le donner au Sgan, le vice Kohen Gadol, la Sgan, Notna les Kohen Gadol, au Sgan du Kohen Gadol, la Sgan, et le Sgan, il va la donner au Kohen Gadol, donc on a déjà 4 personnes. On prend le Chazan, il prend le Sefer Torah, il le donne au Rosh HaKnesset. Il a le Rosh HaKnesset, il va l'amener au Sgan. Le Sgan va le prendre, va l'amener au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, notna la Melech. Et le Kohen Gadol va donner le Sefer Torah à qui? Au roi. Va Melech Omed ou Mekabel. Ve Kore Yoshev. Et le roi va se lever pour recevoir le Sefer Torah. Mais après, il va ouvrir le Sefer Torah. Il va s'asseoir devant tout le monde pour lire la paracha. À cause du kavod du roi, on va dire au roi qu'il peut s'asseoir. Normalement, lorsqu'on parle en public, il faut se lever dans le public, à plus forte raison quand on va lire la Torah,
D'accord? Mais pour le roi, on a une permission de s'asseoir. D'accord? Maintenant, Agrippa Sameler, Amad Vekibel Vekara Omed. Agrippas, le roi, qui était un roi, on en parle fréquemment, il était pas Racha. D'accord? Et on voit dans plusieurs. D'accord. C'est assez compliqué comme. Il y a plusieurs agathotes dans la Gemara. C'est compliqué. On explique ensuite que c'est compliqué chez cette famille. C'est la famille de Hordus. Pour vous donner une petite idée, Hordus, et vous connaissez la royauté de Hordus, Hérode, le roi Hérode. Vous avez déjà entendu parler sûrement, parce que dans tous les livres d'histoire, on raconte qu'il y a eu le baptême d'âge de Hordus. On va expliquer après ce qui se passe, parce que sinon on va trop s'éparpiller, c'est dommage. On va rester concentré d'abord sur notre Mishnah pour arriver jusqu'au bout. Donc il y a une histoire avec Agrippa Sameler. Le roi Hérode, initialement, c'était un esclave romain qui s'est affranchi de lui-même en tuant. C'est le roi Hordus, son arrière-grand-père, je ne sais pas combien de générations ça dure cette histoire. Il a tué là-bas, c'était la fin des Beth Hashmonaïm. Il a tué ses maîtres, il a pris lui-même la royauté, et après il a ouvert maintenant une nouvelle dynastie de rois, le roi Hérode. Et le dernier de la liste, c'est Agrippa Sameler. Donc, souvenez-vous, c'est un descendant d'esclaves. Romain, pas juif, pur sang du tout. Il est de dynastie fondamentalement problématique. Et le problème, c'est qu'il ne pouvait pas être roi. Mais on va voir ce qui s'est passé. Agrippa Sameler, lui, quand Agrippa, il était roi, Amad Vekibel, lorsqu'il a reçu le Sefer Torah, il s'est levé, il a reçu Vekara Omed, et il a lu la Torah en restant debout, pour donner l'honneur à la Torah. Regardez que c'était une sorte de sadique. Et il a reçu la Torah, et il l'a lu debout devant tout le Ham Israël. Veshibru Chachamim, Chachamim, on fait un jvar, le Kol HaKavod, pour ce qu'il a fait, de se lever, de lire debout devant la Torah, devant le Ham Israël, parce que même si on a permis au roi de s'asseoir, c'est qu'une permission qu'on lui a fait. Mais s'il veut donner de l'honneur à la Torah, il a le droit de rabaisser le kavod de la royauté pour l'honneur de la Torah, comme ce que David Amelech, il s'était mis à danser devant le Aaron Abrit aussi. Et c'est ça tout le kavod, c'est de se rendre, de se rabaisser devant l'honneur de la Torah, Zéa Kavod. Urshé Igia, maintenant, quand il a reçu le Sefer Torah, il a lu, maintenant il a commencé à lire la Torah, Agrippas. Urshé Igia, le Lotucha, la tête Alecha, Ishnochri, lorsqu'il est arrivé dans la paracha du Melech. Où il y a une séquence dans la Torah où on précise, on donne la baille à toute la paracha du Melech, ou les conditions qu'il faut pour être roi. Je crois que c'est dans la paracha de Kitetsé, si je ne me trompe pas, peut-être Shoftim. Et regardez avec Yozaïm dans Devarim. Alors il est arrivé là-bas, lorsque la Torah nous dit, Samtasim Alecha Melech, tu devras, la mitzvah de nommer un roi, et la Torah nous dit, Lo tuchal la tête Alecha Ishnochi, tu ne pourras pas mettre sur toi un Goy, même si c'est converti. Il faut quelqu'un pour être roi d'Israël, pour toutes les misrot. Plus on va avancer dans la hiérarchie des fonctions publiques, plus il va falloir être juif à part entière et pas converti. Pour certaines choses, un simple converti il est interdit, mais s'il a sa mère qui est juive, qui est de dynastie juive, alors ça suffit. Pour d'autres fonctions comme la fonction du roi, il faut nécessairement qu'il soit un de dynastie juive, descendant de Yaakov Avinu. Et s'il il appartient à une famille, Goy, on parle que du père, père après père, d'accord? S'il y a des mères au milieu qui sont des Guérotes, il n'y a pas de problème. Mais pour le. Comme il y a la famille des Cohen, la famille des Lévi, ils ne pourront jamais être Goy, et guerre, parce que c'est impossible, c'est nécessairement des descendants. Idem aussi pour les rois qu'on va nommer, il faut nécessairement qu'ils soient de famille Israël. Et lorsque Agrippa s'est arrivé au Passouk, Lotucha la tatalecha ishnochi, tu ne pourras pas mettre sur toi un goy. Zalgo enav dma'ot, des larmes ont coulé de ses yeux. Il s'est dit, je ne correspond pas à ça. Regardez qu'il était modeste, il avait un. D'accord? Amrolo chachamim qui était là-bas, et là c'est la grande erreur. Ils lui ont dit, ils l'ont rétorqué, Altitiare Agrippas, n'aie pas de crainte Agrippas. Achinuata, achinuata, achinuata. Tu es notre frère, tu es notre frère, tu es notre frère. Ils ont fait de la chanoufa. Il ne faut jamais faire de la chanoufa au Rishayim. Et là, c'est le grand problème que Bota Sha'al, la Gemara nous dit, lorsqu'ils ont été marqués,
Tarkif, comment ça se dit en français? C'est quand on fait de la... J'ai pas le mot, dommage. Les fronts. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il en fait de la... des salamalek et de tu es grand, tu es notre frère, alors qu'il fallait pas le dire, c'est pas vrai. T'as tort d'être là, t'as pas... attends, on bosse. Il faut pas faire de la hanoufa, faire de la lèche, comme ça on dit. Hein. Il y a un autre terme. Je... Bon, c'est pas grave. Et Vekoré Mitrilat, et donc voilà, on a fini l'histoire avec Agrippas, ils ont fait une grave erreur. D'accord? Lorsqu'un rachat, même s'il faut une certaine, des fois, certaines reconnaissances, il ne faut pas le transformer en grand tzaddik, il n'est pas à son poste, il n'avait pas le droit d'être là-bas, il ne fallait pas que Chachamim commence à lui passer la pommade. Vekoré Mitrilat, et en tout cas, on revient maintenant sur l'histoire de la parasha du Menher. Vekoré Mitrilat, Elea Dvarim Al-Shema, il devrait lire depuis le début du livre de Dvarim, Elea Dvarim Al-Shema, Moshe Vekoré, jusqu'à Kivré Al-Shema. Shema Sedan va être un homme. D'accord? Ça inclut donc même aussi la Sarat Adibrot, il va lire jusqu'à Shema. Ensuite, il va lire la paracha du Shema, jusqu'à qu'il a fini. Il a fini la séquence du Shema, qui est dans va être un homme. Il va sauter maintenant jusqu'à Parashat Ekev, où là-bas il y a la paracha de Ve'ayem Shamo Atishmeu, et donc il va sauter quelques colonnes, cinq colonnes à peu près, depuis Perek Vav jusqu'à Perek Yud Aleph. Il saute quelque jusqu'à qu'il va arriver à Ve'ayim Shamo Tishmo El. Et puis ensuite, il va encore sauter quelques petites colonnes jusqu'à qu'il va arriver à la paracha de Aser Te'aser. Aser Te'aser, la mitzvah de prélever le Maaser. Et aussi, il va ensuite sauter d'autres colonnes beaucoup plus loin cette fois-ci, jusqu'à qu'il va arriver à Kitechale La'aser, que lorsque tu finiras de donner les Maasot. Tout ça, c'est deux mitzvot, étant donné qu'on est dans Sukkot. Hag HaAsif, c'est la fête où on rentre les récoltes dans les granges, c'est Soukhot. Alors là, c'est le moment de prélever les Troumot ou Maasrot. Et dans ce cas-là, il faut lire en public pour rappeler aux gens qu'il faut donner tous les prélèvements pour les pauvres, pour le Lévi, pour le Kohen. Et après, une fois qu'il a fini maintenant de lire ces parachutes-là, il va lire le Parashat HaMelech. Donc la fameuse paracha du Melech qu'on a évoquée plus haut, qui est, je vous ai dit, dans Kitetsé, ou c'est dans Kitetsé plutôt, ou Shoftim. Et là-bas, il faut lire la paracha du Melech, la séquence où il écrit les psukim qu'il faudra nommer le roi. Brachot ou klalot. Et après, passer à parachat Kitavo. Donc regardez un petit peu, si vous regardez l'ordre de psukim dans votre Mishnah, on a Perek Yudalet, après on est passé à Perek Kavav, après on revient sur Yudzaïn, et puis après on repart à Kafret. Ah, Tchegomer, quand la paracha, jusqu'à Vinis, quand la paracha. Il y a un petit problème dans l'ordre, ici, que le Barthénora, fondé sur le Rambam, apparemment c'est fondé aussi sur le Yerushalmi, il faut inverser deux choses, c'est-à-dire plutôt, une fois qu'on a fait Aser Te'aser et Kitechale La'aser, on a fini avec la mitzvah du Maaser, là, on passe d'abord, on continue un petit peu plus loin, on passe directement sur Brachot avec la Lot, on va passer dans la paracha de Kitavo, on va dire toutes les Brachot, oui, les Brachot avec la Lot qui sont rapportées dans Kitavo, et seulement après, on revient en arrière pour la paracha de Temeler, donc en fait, il faut dire. Après Hachegomer Kola Paracha. D'accord? Et puis ensuite, on a fini maintenant le rituel de la paracha de laquelle il faut que maintenant le Meler va dire les brachot, et donc il va dire Birchot, Drachot, Shakon Gadol, Mevarechotan. Maintenant, les mêmes brachot qu'on avait dit que le Gadol il va dire plus haut dans la Mishnah précédente, à Yom Kippour, lorsque Kohen Gadol devait dire, et bien un Meler Mevarechotan, cette fois-ci c'est le roi qui veut dire ces mêmes brachot avec une différence. Là-bas, il devait faire une bracha sur le Yom Kippour. Cette fois-ci, elle a chez Noten, chez le Régalim, Tachat Mechelat Avon. Il va maintenant parler des Régalim, des fêtes. Il va faire une bracha en l'honneur des fêtes, comme son dit Mekadesh Israël, Ve Azmanim. Il va faire chez le Régalim, Tachat Mechelat Avon, à la place de la bracha de Mechelat Avon, qui est plus relative à Yom Kippour, bien évidemment. Pour conclure avec juste quelques petits détails un petit peu importants. Non, je vous avais dit pour l'histoire de Ordus. Ordus, je vous avais dit, en fait, c'est lorsque, après l'histoire de Hanouka, les Hashmonaïm, ils ont repris la royauté pour Israël, et puis là, ils ont fait une erreur déjà, les Hashmonaïm, c'est qu'ensuite, ils ont gardé la royauté pour eux. C'était une première erreur. C'est le Ramban qui explique ça dans la Yichi, il en parle chez la Yichi à la Torah. Il explique que les Hashmonaïm n'avaient pas la Keuna, on distingue dans la Torah, il y a ceux qui sont. Les Kohanim sont spécifiques pour la Avodat Hashem. Être roi, c'est pas un travail de Avodat Hashem dans le côté rouhani, spirituel de la chose, mais c'est très technique qu'il faut gérer un pays. Kol HaKavod, c'est très bien, mais c'est comme dans une synagogue. Il y a le Rav qui donne des halachot, et il y a le Gabay qui s'occupe de gérer le côté technique.
Si le roi, il va commencer maintenant à devenir trop technique et à donner son avis sur n'importe quelle petite nappe, n'importe quelle banque qui va bouger, tout ça, il y a un problème d'ordre. D'accord? Celui qui est Rouhani, il est Rouhani. Celui qui est technique, il est technique. On nomme des gens bien pour faire ces choses-là et on laisse. Et les Hashmonaïm, c'est une tribu de Kohanim, ça les appartient aux Kohanim, une famille de Kohanim, il fallait nécessairement qu'ils donnent ensuite leur royauté à Malchut Yehuda, à Yehuda. Et ils ont gardé la royauté à cause de ça. Les Hashmonaïm ont fini par tous être exterminés. Le dernier qui restait, le dernier roi Hashmonaï, il a eu son esclave qui s'appelait Ordus, qui a tué son maître. Il s'est emparé, toute une histoire, comment il s'est emparé de la royauté. Et après, il est resté roi. Il y a eu toute une histoire avec lui, qu'il a tué tous les Chachamim d'Israël pour ne pas qu'il le déclare. Après, il a regretté. Après, suite à ça, il a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Il a rénové, en fait, de manière grandiose. Et c'est tous les vestiges qui nous restent du Beth Amikdash. C'est essentiellement lui qui a achevé tout le travail. Et maintenant, il y a eu quelques générations. Et puis à la fin, il a eu ce fameux roi Agrippas, qu'on l'évoque plusieurs fois. Il était très noble et très. Finalement, c'est un esclave, il a beau être noble. Il n'avait pas être roi. Et là, donc comme ce qu'on a vu comme on a évoqué, que Chachamim lui ont passé la pommade un peu trop violemment, et il ne fallait pas. Et suite à ça, depuis ce moment-là, Chas v'Shalom, ça a été décrété. Des graves décrets. C'est après, à son époque, que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. C'est important parce que, malheureusement, on entretient souvent des rapports avec des gens qu'il faut pas respecter, qui sont plutôt... Parfois, ils peuvent être libéraux, parfois, ils peuvent être tout simplement pas du tout pratiquants. Peut-être qu'il faut les respecter, avoir une certaine reconnaissance. Je dis pas, je rentre pas dans le poulmousse, mais il y a quand même un truc qu'il faut pas, c'est ne pas les mettre à la place où ils devaient pas être. Alors quand on a, je sais pas moi, le premier ministre qui va débarquer à un mariage et on va l'asseoir à côté des rabbinim, et là il y a un problème, la place, quelqu'un qui n'est pas dans le coup, il faut le mettre à l'extérieur. S'il n'est pas pratiquant, il a le même problème que de nouveau, il est comme considéré comme chnouchi, c'est un coffer, s'il est coffer. Je ne parle pas du premier ministre, j'en sais rien, c'est pas mon problème, mais lorsqu'on se retrouve avec d'autres personnes qui sont franchement Kofrim, qui renie la Torah complètement, qui la néglige complètement. Alors là, il y a un vrai problème de Hanoufa, qu'il faut faire très attention à ce problème-là. Regardez le Beth Amikdash. Il a fini par le dernier coup final, le détonateur. Ça a été spécifiquement, nécessairement. Malheureusement, c'était spécifiquement cette Hanoufa. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée. Et c'est tout pour aujourd'hui, Kol Tov, c'est là.